Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors je vois qu'il y a déjà du monde. Bonjour à Stey, bonjour à Anthony, François, Monique, Nadia, Daphné et Thierry qui est dans le TGV. Bonjour à tous. Je suis très très contente de vous retrouver. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors il y a un petit décalage, du coup je pense que je ne vais pas avoir vos réponses immédiatement. Bonjour à Manu, à Jean-Jacques, Stéphane, Vanessa. Salut Vanessa, ça va bien? Bonjour Elle Pose. Alors Daphné me dit qu'on m'entend bien, super, très très bien. Alors, petites informations pour les personnes qui ne savent peut-être pas, si jamais vous trouvez que la qualité d'image n'est pas très belle, je vous invite à cliquer sur la petite roue crantée qui se trouve en bas à droite de votre écran et à choisir la qualité d'image 1080. Comme ça, vous pourrez profiter pleinement des couleurs de ce coffret de pastel que je vais donc swatcher. Je ne sais pas s'il y a un équivalent de swatcher en français. Je vais donc faire le nuancier de ce coffret. Alors, Tominou n'est pas encore avec nous. Il devrait plus tarder à nous rejoindre. Il a eu une petite course à faire. Je pense qu'il sera là d'ici une petite dizaine de minutes. Donc, en attendant, eh bien, ce n'est pas grave. Je vais rappeler un petit peu le principe de ces directs pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des petits nouveaux parmi nous qui me découvrent par le biais de ce direct. Et si c'est le cas, eh bien, je m'appelle Cindy, enchantée. Et je fais des vidéos de peinture et de dessin, mais surtout de peinture quand même. Donc, je pratique le pastel sec, l'aquarelle, la gouache, la peinture à l'huile. Et ce direct est un direct nuancier et papote. Nous allons donc faire le nuancier de ce magnifique coffret que vous voyez à l'écran. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez dans le chat et j'y répondrai tout en faisant mon nuancier. Les questions n'ont pas besoin de concerner uniquement ces pastels. Vous pouvez me parler de tout et de rien, il n'y a aucun problème. Et du coup, alors, hop, je vais m'installer, j'ai préparé ma petite feuille. Je vous montre aussi, pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier direct, le nuancier qu'on a fait il y a 15 jours sur l'assortiment numéro 2, donc qui était dédié au vert. Donc on a vu de très très belles couleurs. Ce direct-là est disponible en replay, ils le sont tous. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints pendant que je blablatais. Je vois que Maryse est là. Bonjour Maryse, comment ça va? Bonjour à Latélis, Belzébuth, Eliane, Anna, Kitsune. Et merci beaucoup Maryse pour ton compliment au sujet du tableau des furets. Alors juste avant de commencer, il fallait que je vous partage un grand bonheur. J'ai commandé des petites nouveautés. Alors, ça, ce sont des petites cartes postales que j'ai faites faire d'après des peintures que j'avais faites dans un de mes carnets. Et j'en ai pris 50 de chaque. Et ça, je vais les glisser avec les commandes des personnes qui m'achètent un portrait ou un tableau. Comme ça me fera un petit truc en plus à leur offrir. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et donc c'est voilà, je viens juste de le recevoir. J'ai pas pu m'empêcher de vous montrer ça. Je les trouve vraiment trop jolis. Ça, c'était Dexter que j'avais fait à l'aquarelle. Ça aussi, c'est une petite aquarelle que j'avais faite dans un petit carnet Watercolor Book à Neumühl. Et ça, c'était un mélange d'aquarelle et de gouache. Des petites églantines. Je crois qu'ils ont tous au minimum un an. Mais bon, ils sont toujours valables. Alors, je vois que Anita et Marion nous ont rejoints. Bienvenue à vous. On n'a pas encore commencé. Baronette me dit qu'elle ne fait pas de pastel, mais apprécie de suivre mes vidéos, eh bien, je te remercie, ça me touche beaucoup. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, je vois une question de Aliane qui me demande si je ne place pas de passe-partout dans les encadrements. Alors, pas pour les nuanciers, Aliane, parce que ce sont juste des nuanciers, donc c'est vraiment
C'est un peu décoratif, mais c'est aussi surtout pratique. Je ne veux pas que ça prenne trop de place parce que j'en ai pas mal. Donc, je mets tout ça sur mes murs et j'estime que ça va rester sous verre. Donc, pas besoin de passe-partout. Le passe-partout, ça rajoute un côté esthétique. C'est aussi une protection pour le tableau, mais là, ce n'est pas vraiment un tableau. C'est, entre guillemets, juste un nuancier. Salut Nicolas! Bonjour Jacques, bonjour Gisèle et bonjour Kioli. Alors, je vais commencer. J'aurais peut-être dû vous présenter un petit peu mieux ce coffret d'ailleurs. On va voir un petit peu comment il est organisé. Alors, nous avons les bleus verts qui se situent ici dans ce quart. Et puis, ici, nous avons les bleus verts terre. Donc ça, ce sont des bleus verts qui sont rompus, c'est-à-dire que vous pouvez le voir hein, sur les couleurs, ils ne sont pas du tout aussi vifs que ceux-là. Donc ça, ce sont des couleurs beaucoup plus grisées qui vont se fondre beaucoup plus facilement d'ailleurs dans un paysage. En général, les paysages que j'aime peindre, j'essaie d'avoir toujours une majorité de couleurs rompues, un petit peu grisées, parce que comme ça, quand je mets des accents d'une couleur pure, là, ils vont vraiment se voir et ça va vraiment faire un effet contrastant très, très agréable. Ensuite, on a les bleus violets ici. C'est tout un quart également. Et pour le dernier quart, on a deux catégories. Alors, vous ne le verrez pas parce que c'est caché par la webcam. Pour ce dernier quart, vous avez les deux lignes-là qui sont les Ocean Blue, les bleus océans. Et ça, c'est une gamme qui a été créée spécialement pour une artiste qui s'appelle Zara Forman, qui est spécialisée dans la peinture d'iceberg. Et du coup, elle a fait faire des bleus verts quasiment sur mesure. Elle a collaboré avec les créateurs d'Unisson pour pouvoir réaliser cette gamme de magnifiques bleus. Et puis, on a aussi cette dernière ligne-là, qui est une partie de leur gamme dark, donc sombre. Alors, ils ont beaucoup d'autres pastels de cette gamme-là, mais on les verra dans un prochain coffret. Voilà, voilà. Alors, hop, je vois que vous avez laissé des petits commentaires. Et Nicolas a fait un jeu de mots avec passe-partout de Fort Boyard. Les clés des encadrements. Alors, comment faire pour retenir les noms des couleurs? J'ai du mal, nous dit Nesrine. Eh bien, je t'avoue que ta question est un peu abstraite. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi te dire, Nesrine. Je pense que retenir les noms des couleurs, c'est quelque chose qui vient avec la pratique et avec l'habitude. Mais c'est sûr qu'il en existe vraiment beaucoup. Et au début, ça peut être un petit peu abstrait. Mais après, tu vas retenir très naturellement tes préférés. Et du coup, ça va t'aider. J'ai vu sur le Géant des Beaux-Arts les pastels à l'écu, nous dit Daphné. Alors ça, c'est le nom des pastels de chez Sennelier. Des pastels extra, 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 extra tendres. Donc voilà, c'est leur particularité, c'est qu'ils s'émiettent très facilement. Et donc, ils sont très, très, très couvrants. Et très, très tendre et très, très intense aussi. Et bonjour à Claudie qui nous rejoint. Ok, j'entends que Tominou est rentré. Il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Je vais prendre un petit stylo et on va se noter les couleurs. Je vais commencer, étant gauchère, par la partie supérieure droite pour ne pas salir les cases au fur et à mesure. Donc, on va commencer du coup par les BG, c'est-à-dire Blue Green. C'était pas ce stylo-là que je voulais prendre. Et je fais ce nuancier sur une feuille de pastel mat couleur gris clair que j'ai recoupé. À la base, c'était une feuille de 30 par 40. Je l'ai coupé en deux, donc j'ai fait une feuille de 20 par 30. En plus, mes sous-verres, ils font 21 par 30, donc je vais avoir une petite marge, je pense, sur les bords. Moi, je vais prendre un stylo plus fin.
Alors, Nicolas nous dit que les pastels sénneliers ne sont pas tendres avec le porte-monnaie. Eh oui, c'est bien vrai, tu as raison. Ils sont pas très tendres avec les porte-monnaies. Bah après, comme les pastels, enfin, les pastels de gamme professionnelle, comme je le disais dans un direct précédent, du moment qu'ils sont faits à la main, tout de suite, ça fait grimper les prix, hein. Donc, tous les pastels tendres, très tendres, forcément, sont plus chers que les autres. Mais après, c'est un vrai plaisir. Alors, ça dépend bien sûr des goûts de chacun, hein, mais moi, je sais que je trouve qu'en termes de plaisir d'utilisation et de rendu, quand même, ça n'a pas grand-chose à voir. Bonjour, Teminou qui nous rejoint, qui va s'installer. J'ai changé de côté. J'ai changé de côté, ouais. En fait, je préfère que l'écran soit de ce côté-là. Alors, je regarde un petit peu s'il y a eu des messages. Bonjour Hélène. Alors, Aliane nous demande si les pastels unissons sont proposés à l'unité. Tu peux les trouver à l'unité chez Jackson, mais alors là j'ai regardé tout à l'heure, il y a toujours des frais de port de fifou. Là actuellement les frais de port, j'ai mis un pastel dans mon panier pour voir et ça m'affichait 17 euros. Voilà, merci le Brexit. Alors j'ai envoyé des messages aux géants des beaux-arts pour leur suggérer de référencer ces pastels, ça serait tellement génial. Et j'ai eu une réponse qui me disait qu'ils y travaillaient, mais que c'était compliqué. Donc, on ne peut malheureusement pas compter dessus. Mais c'est vrai que ce serait formidable si on pouvait les trouver chez eux, parce qu'en général, ils ont des prix hyper compétitifs. Et ça serait beaucoup plus facile pour nous. Parce que là, avant de rentabiliser les 18 euros de frais de port, il faut en mettre quand même dans son panier, hein. Alors, Anita nous dit, pour les noms des couleurs, c'est assez facile avec les noms des minéraux, des fleurs et donc les nuanciers en se disant un peu plus vers les nuances connues. Oui, c'est vrai qu'il y a des noms qui sont plus parlants que d'autres. T'as raison. Surtout quand ils ont des noms un peu commerciaux, parce que c'est vrai qu'après, il y en a aussi que... Je suis même incapable de prononcer tellement ils sont difficiles. Quand c'est les noms des pigments, ça peut être... Il y a un jeune... Ouais, non, je vais pas me risquer à le prononcer, en fait. Il y a un jeune qui est super compliqué. Et je m'apprête à terminer cette première ligne de bleu-vert. Les bleus verts qui sont donc des bleus froids. Dans ce coffret, d'ailleurs, on a les deux. On a les bleus froids avec ce quart-là. Et puis, sur le quart inférieur gauche, on a les bleus chauds avec les blue violet. Alors, Hélène nous dit, c'est pas évident de trouver du bon matériel au Québec. Je devrais peut-être déménager en France. Moi, je pense que tu dois en avoir des bons pastels que nous, on n'a pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, tu dois avoir Mountain Vision, peut-être. C'est des pastels américains. Et ils sont très réputés, ceux-là. J'aimerais beaucoup les essayer. Mais nous, c'est difficile à trouver aussi. Mais ceci dit, je crois qu'ils sont chez Jackson également. Mais bon, on l'a vu, avec les frais de port, c'est pas forcément hyper, hyper simple. Il doit y avoir Terry Ludwig aussi. Ça, c'est pareil. C'est des pastels que je connais de nom et de réputation. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le plaisir de les essayer. «
Ah, merci Manu de rappeler les petits likes sous la vidéo, c'est vrai. Tu as raison. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Anamélia nous dit, pouvez-vous indiquer quel sujet vous avez retenu dans la formation au pastel? Alors, pour les personnes qui ne savent pas, effectivement, je travaille actuellement sur une formation sous forme de vidéo qui sera disponible en début d'année prochaine. Enfin, elle sera disponible en décembre et elle commencera en janvier sur les bases du pastel sec. Ce sera donc, a priori, il y aura 5 modules. Chacun sera composé de petites leçons en vidéo. Il y aura des leçons théoriques et des exercices. Et en ce qui concerne les sujets, eh bien, j'ai fait passer un sondage pour savoir ce qui vous intéressait le plus. Et ce qu'il est ressorti de ce sondage, c'était paysages, animaux. Et aussi, beaucoup de personnes étaient intéressées par le portrait humain. Ce qui me pose problème parce que c'est une formation pour débutants. Mais je me dis que je pourrais quand même l'évoquer dans le dernier module. Parce que ça va être progressif. On va faire les choses dans l'ordre. Hein, donc, très basique pour le premier module. Et puis, on va augmenter un petit peu les difficultés au fur et à mesure. Très joli ce bleu-là. Alors, quelle est la différence entre unisson et gyro, me demande Aliane. Les gyros sont plus durs. Les gyros sont plus durs. Les bâtonnets, après, bon, ça, quand tu les vois côte à côte, c'est très évident. Les bâtonnets gyros sont beaucoup plus fins. Ils s'usent très, très vite. Mais oui, la texture est plus dure. Donc, tu vas réussir à faire des détails plus fins, plus facilement. Mais par contre, ils restent quand même relativement tendres. Donc, en fait, les pastels gyros, ils sont assez polyvalents. Ils peuvent aussi bien faire des fondus que des détails fins. Donc c'est vrai que ça, c'est très appréciable. Quelle est la différence entre pastel sec et pastel tendre, me demande Jacqueline. Eh bien, les pastels secs sont des pastels tendres. En fait, ce sont deux termes qui signifient la même chose. Mais par contre, quand on parle de pastel tendre, en général, il y a une connotation sur le fait qu'il soit plus couvrant, plus crémeux, donc c'est au niveau de la texture. Plus un pastel est tendre, et plus tu vas l'estomper facilement, plus tu vas recouvrir la sous-couche facilement. L'opposé de pastel tendre, ce serait pastel dur. Mais voilà, c'est aussi un terme qui est employé simplement pour désigner les pastels secs, en opposition aux pastels gras, qui sont des pastels à l'huile. J'ai l'impression que je t'ai embrouillée plus qu'autre chose, mais c'est pas facile de clarifier tout ça. Est-ce que chaque coffret que vous présentez est vendu à l'unité chez Jackson? Non. Alors, j'ai acheté l'assortiment complet des pastels unisson, donc c'est pour ça que j'ai les couleurs qui sont classées de cette façon. Si vous achetez des assortiments séparés, ça va être plutôt sur des thèmes. Donc, typiquement, si tu aimes les bleus unisson, tu pourrais t'intéresser à leur thème bord de mer, par exemple. Après, ils font aussi des thèmes par couleur, il faut regarder. Je crois qu'ils ont quand même des coffrets de nuances bleues. Alors, ce ne sera pas forcément exactement le même, mais tu auras quand même beaucoup de bleu unisson. Alors, je n'ai pas compris ta question, Marie. Pourquoi nous faire une démonstration sur des pastels hors portefeuille? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Thierry me demande s'il faut un matériel particulier pour suivre la formation. Oui. Ça serait bien. Moi, je vais donner la liste du matériel que je vais utiliser. Cette liste sera très certainement donnée à la rentrée. Comme ça, vous aurez encore 3 mois pour vous procurer le matériel en question.
Disons que ça vous rendra les choses beaucoup plus faciles parce que comme ça, vous pourrez faire les pas à pas vraiment, eh bien, pas à pas. Vous pourrez me suivre complètement. Mais déjà, je peux vous dire que ce sera les pastels Rembrandt qu'on va utiliser parce que ce sont des pastels d'un très très bon rapport qualité-prix. C'est pour limiter un petit peu les frais, hein, parce que les pastels, ça peut vite coûter très très cher. C'est pas non plus le but. Puis je trouve que c'est bien de travailler avec un assortiment limité parce que ça nous pousse à justement faire des mélanges, des superpositions pour réussir à se débrouiller et c'est très formateur. Alors, comment sont fabriqués les pastels, enfin, si tu sais? Bah, il y a des petits reportages sur YouTube, n'hésite pas à chercher, parce que bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Je pense que ce sera beaucoup plus parlant, tu pourras voir les images. Je crois justement les pastels Giraud qui ont fait un reportage sur leur atelier de fabrication. Et la vidéo doit être disponible sur YouTube. Pourra-t-on utiliser des pannes pastel pour la formation? Alors, pour ce qui est des pannes pastel, il y aura une présentation de ces pastels-là. Donc, il y aura des leçons avec eux. Par contre, au niveau des pas à pas, ce sera très limité parce que les pannes pastel, ils coûtent 8,50 € par couleur. Donc, je ne peux pas vraiment faire des exercices avec beaucoup de pannes pastel. Donc, mon idée, c'était d'en prendre deux. Parce que le Géant des Beaux-Arts fait un mini duo qui coûte 17 € je crois, où tu as deux pannes pastel et des outils à pannes pastel pour pouvoir les étaler. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, je vous montre. Ça, ce sont des pannes pastel, donc c'est pastel en godet et vous avez des petites éponges comme ça. Vous avez aussi des petits outils comme ça pour les étaler. Je me rends compte que j'ai laissé la mise au point en mode automatique. Hop là. Donc ces pastels-là, oui, ils coûtent 8,50 € par couleur. Donc voilà, avec deux, je pense qu'on peut déjà voir comment ça fonctionne, comment on les étale, comment on les mélange. On va pouvoir faire un sujet très simple, les coupler avec les bâtonnets et les crayons. Donc le but, c'est vraiment que je puisse vous expliquer comment on les utilise pour que vous puissiez découvrir et que vous puissiez choisir si vous voulez d'autres couleurs ou si ces outils-là ne vous intéressent pas. Mais c'est sûr que si je fais acheter aux gens et des bâtonnets et des pannes pastel et des crayons, au final, la formation, elle va coûter une fortune. Donc bon, il faut que j'essaie de rester quand même à la portée de tous. On me demande quel crayon pastel je recommande. C'est Sabine qui pose la question. Alors moi j'utilise en écrasante majorité Faber-Castell Pitt. Alors fais attention parce qu'il y a plein de personnes qui se trompent. En ce moment je reçois plein de messages parce que Faber-Castell ils font les crayons pastel mais ils font aussi les crayons de couleur. Donc je précise que Polychromos c'est des crayons de couleur, ce ne sont pas des crayons pastel. Il faut vraiment que ce soit écrit Pitt sur le crayon. Est-ce que j'en ai là? Voilà, c'est ceux-là. Et c'est bien écrit Pitt Pastel en toutes lettres sur les crayons. Et ceux-là, je les trouve très bien. Ils sont d'une dureté moyenne. Donc, tu peux recouvrir les bâtonnets avec, tu peux faire des détails fins, c'est très très bien. Et la gamme de couleurs est très intéressante. Oui, les pannes pastel ressemblent à du maquillage, c'est vrai, tu as raison, Daphné. Je crois que j'ai loupé des messages. Alors attendez, je remonte un petit peu.
Alors, Corinne me demande si les pastels Unisson sont de meilleure qualité que les pastels Rembrandt. Eh bien, les pastels Rembrandt, ils sont quand même relativement durs. Donc, si tu veux, tu vas pas avoir la même utilisation. Donc, concrètement, comment ça se traduit? Alors, l'avantage, c'est que du coup, tu vas pouvoir avoir des détails fins relativement facilement avec une marque comme Rembrandt. Après, en termes de superposition des pastels les uns par-dessus les autres, en fait, en général, quand tu vas chercher à superposer tes Rembrandt, tu vas avoir des mélanges qui vont se faire presque tout seul. Là où, si ton pastel est plus tendre, quand tu vas les superposer par-dessus, eh bien, la couleur que tu poses en dernier, c'est vraiment celle qui va prendre le pas. Aussi, la texture, je pense que ça se voit à l'image, mais quand tu étales le pastel sur le papier, si ton pastel est tendre, tu as vraiment une couche épaisse qui se dépose, donc tu as beaucoup de pigments. Et ça va te créer des couleurs très intenses. Donc, en général, c'est plus facilement recherché. Par exemple, si tu compares un noir Rembrandt avec un noir Unisson ou Giraud, tu vas voir que chez les deux autres, enfin chez Unisson et Giraud, les noirs vont être beaucoup plus intenses et profonds. Et c'est vrai que quand tu as la possibilité de faire des contrastes très marqués, c'est là où tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir et créer des tableaux réellement saisissants. Mais ceci étant dit, tu peux faire des tableaux absolument sublimes avec les Rembrandt aussi. Après, tout est question de ta façon de les utiliser et à quel point tu maîtrises finalement. Donc voilà. Bon. Les Rembrandt, pour moi, c'est rapport qualité-prix vraiment très bien. Les couleurs sont très chouettes. Il n'y a pas forcément autant de choix que dans d'autres marques plus premium, mais en tout cas, pour une personne qui débute, tu as déjà tellement de quoi faire que il n'y a pas de souci à avoir. Après, disons que pour quelqu'un qui fait du pastel depuis plusieurs années, qui est vraiment passionné, qui veut aller plus loin, alors là, c'est dommage de se passer des marques plus premium parce qu'elles peuvent vraiment faire évoluer ton art. Alors, je reprends. Donc là, j'ai presque terminé sur les Blue Green. Il m'en reste trois pour finir ce premier quart. Ils sont extrêmement lumineux. Alors, pour ceux qui n'avaient pas forcément assisté au précédent direct, je réexplique rapidement le principe de l'organisation de ces pastels-là. C'est que vous avez généralement une nuance qui va être déclinée. En fait, vous avez les pastels qui sont rangés sur des lignes de 6. Et vous avez la même nuance, ou en tout cas, ce sont des nuances très similaires, qui sont déclinées du plus foncé vers le plus clair. Donc ça, c'est vrai que en termes d'organisation, je trouve que c'est très très bien pensé. Ça nous facilite grandement les choses parce que si on cherche à dégrader, au lieu de dégrader en estompant, on va pouvoir dégrader en juxtaposant des touches de valeurs proches et en augmentant comme ça la valeur progressivement. Et donc voilà, je trouve que c'est très très chouette. On a des turquoises sur cette ligne qui sont très 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 jolies. C'est hyper intense. Alors, j'ai remarqué que j'ai du mal à trouver du blanc qui marque bien sur Canson ou Pastel Card. Alors, Sabine, est-ce que tu me parles des crayons pastels? Si oui. Si tu me parles des crayons pastels, alors déjà j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Le crayon pastel le plus blanc, parce que c'est une question en fait qui revient très fréquemment. Est-ce que j'ai mis le même pastel deux fois? Non. Tu as les crayons de chez Carandage qui coûtent très cher par rapport aux autres, mais c'est bien d'en avoir un ou deux des blancs. Parce que vraiment, ils sont très couvrants, donc eux, ils vont marquer plus facilement. Regardez comme ils ont marqué mes doigts, ces turquoises. Alors,
J'ai testé le papier Meet and Touch, me dit Aliane, très très déçue du résultat, limite démoralisant. Est-ce que Pastelmat est différent? Alors, dis-moi, Aliane, j'ai besoin de précision pour pouvoir répondre à ta question. Qu'est-ce qui t'a déçue dans le Meet and Touch? Comme ça, je pourrais te dire si le problème va se répéter avec le Pastelmat ou pas. On me demande si je connais l'artiste Don Aurore. Je ne crois pas, ça ne me parle pas. Alors, Marion me demande si je fais toujours une vignette au pastel lorsque je prépare un tableau. Non, pour être tout à fait honnête, je ne fais jamais de vignette au pastel. Mais c'est une très bonne pratique. C'est juste que j'en ai pas la patience. Et qu'en général, quand j'ai une idée, je fonce un peu tête baissée. Quitte à recommencer plusieurs fois le tableau si c'est un truc qui est un peu... Parce qu'en fait, il y a deux types de tableaux que je fais. Il y a ceux où je reproduis une photo quand je fais un portrait sur commande. Et puis, il y a ceux que je crée. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait toute une série de portraits de femmes avec des feuilles dans les cheveux. Donc, pour cela, j'aurais plus été susceptible de recommencer si je m'étais rendu compte que bah, ce n'était pas ce type de feuilles que je voulais. Disons que... Si je suis sur un terrain un peu plus hasardeux, peut-être que je peux faire un croquis, tu vois, au crayon. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à me passer de l'étape vignette au pastel. Alors qu'à l'aquarelle, j'en fais beaucoup plus facilement des vignettes. C'est marrant d'ailleurs. Alors, Manu me dit qu'elle finit la petite grenouille avec ma formation et veut savoir si... on doit mettre du fixatif une fois le tableau terminé. Alors, eh bien déjà, merci beaucoup d'avoir suivi ma formation. J'espère qu'elle t'a plu. Et pour ce qui est du fixatif, si tu as travaillé sur Pastelmat et que tu souhaites soit encadrer ton dessin sous verre, si tu mets un passe-partout, tu n'as pas besoin de fixatif sur le Pastelmat. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton tableau. Tu vas le mettre à la verticale et là, tu vas taper l'arête. Tu vois, la poussière qui est tombée là, c'est ce qui va se passer avec ton tableau. En fait, toutes les poussières qui ne seront pas parfaitement, qui n'auront pas très très bien adhéré au support vont tomber. Et ça va te permettre d'avoir, d'éviter justement, c'est foutu du bleu partout. Non ! Ça va te permettre d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, et tu vas pouvoir le mettre sous verre tranquillement. Si tu le mets dans un carton à dessin, mets une feuille de papier cristal dessus. Donc les feuilles de papier cristal, c'est ça. Ce sont les feuilles que tu trouves dans les blocs de pastel mat qui séparent chaque feuille. Et du coup, tu n'as pas besoin de fixatif non plus. Là où tu peux mettre du fixatif, c'est si tu utilises un papier qui n'est pas abrasif. Par exemple, si tu peins sur du... canson à grains ou du canson mi-teinte ou du papier ingre, le fixatif est plutôt conseillé, encore que personnellement j'en mets pas non plus. Je mets toujours la feuille de papier cristal et je tape ma feuille, mais c'est vrai que j'aime pas utiliser le fixatif. Alors, j'ai eu des précisions de la part d'Aliane. Avec Meet and Touch, le papier sature vite pour superposer des couches et le pigment accroche peu avec bâtonnet rembrandt et pit pastel. Écoute, j'ai pas observé ça pour ma part sur le Meet and Touch. J'ai pas observé ça. Moi, ce qui m'a plus dérangé dans ce papier, c'était le grain en fait du papier. Je trouvais que c'était pas joli quand j'étalais mon pastel dessus. Tu vois, ça fait un espèce de, je sais pas comment dire. Il y a une texture qui m'a dérangée et c'est ça qui m'a déplu. Alors que le pastel mat, il a un rendu beaucoup plus lisse. Tu vois pas la texture du papier comme ça. Mais par contre, j'ai pas souvenir qu'il est saturé. Donc, il est possible que tu appuies trop fortement sur tes pastels. Ça, c'est un problème qui est assez récurrent. Les personnes appuient beaucoup sur leur pastel et du coup, ça abîme le papier, en fait. Donc, peut-être que ton problème est de ce côté-là. Du coup, si tu prends du pastel mat et que tu appuies trop, tu vas avoir exactement le même souci qui va se reproduire. Donc là, je commence les bleus, blue green earth, donc les bleus vert terre. Donc ça, ce sont les bleus grisés. Je vois qu'il est
Déjà 17h. En fait, je suis de plus en plus lente dans ce nuancier, c'est terrible. Le premier, il a duré 1 heure. Le deuxième, il a duré 1h15. Et là, je crois qu'on est parti pour 1h30 parce que je ne suis même pas à la moitié. Je suis au quart. Mon Dieu, mais Tominou, c'est ta faute si tu me lis aucune question. Mais tu t'en sors tellement bien. Bah ouais, je m'en sors bien, mais... En fait, t'avances pas. Bah non, j'avance pas du coup. Tominou, il est là, il est très décoratif derrière moi, mais... Il y avait une question sur l'intérêt de superposer des couches dont on ne veut pas qu'elles se mélangent. Quelle est donc l'utilité de la première couche si elle n'apparaît plus ? Alors, la question était, quelle est l'utilité d'une sous-couche si on superpose du pastel par-dessus et qu'on ne veut pas obtenir de mélange ? Eh bien, la sous-couche, en fait, ça te permet d'éviter d'avoir la couleur du papier qui se voit. C'est-à-dire que, admettons, tu fais de la végétation. Bon, c'est pas un aplat de couleur, la végétation. C'est pas un vert qui est plat, tu vois. Tu veux avoir des nuances, des variations. Donc, tu vas faire tes couleurs principales et après, tu vas rajouter des lumières, des ombres. Et donc, tu as besoin d'avoir cette sous-couche pour faire le contraste. En général, tu vas prendre une couleur plus foncée que le résultat que tu aimerais vraiment obtenir parce qu'au pastel, on va toujours chercher à aller du plus foncé vers le plus clair. C'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, tu vas mettre tes verts sombres et puis tu vas monter petit à petit ta valeur. Et là, tu vas créer le relief, la profondeur. Là, c'est intéressant. Et c'est vrai que si tous tes pastels se mélangent constamment quand tu les superposes, eh ben, tu peux avoir le problème. Alors, avec le Rembrandt, ça va. Ça restera quand même très correct. Mais tu auras un effet beaucoup plus spectaculaire avec le pastel unisson. C'est-à-dire qu'avec un pastel trop dur... Si tu as un vert foncé et que tu viens mettre tes zones lumineuses par-dessus avec un vert clair, ben en fait, tu n'auras pas vraiment une zone lumineuse qui va se créer. Tu vas avoir un intermédiaire. Alors que là, tu prends ton unisson, paf, ça te saute au visage. Tu as un vert clair qui éclate. Et là, c'est beau. Et là, tu as du contraste. Et tout est contraste. Dans la réussite des tableaux, tout vient du contraste. Est-ce que tu conseilles un grain de papier particulier pour faire des portraits ? J'utilise actuellement... les crayons Pic Pastel, Pan Pastel et Pastel Rembrandt. Alors, la question concerne le grain du papier. Question d'Hélène. Question d'Hélène sur le grain du papier pour faire des portraits avec Rembrandt, Faber-Castell, Pitt et Pan Pastel. Alors, personnellement, je ne vois... Je ne vais pas vraiment privilégier un grain en fonction du sujet que je peins. J'ai l'habitude de travailler sur pastel mat. Et c'est vrai que je peux faire toutes sortes de sujets sur pastel mat. Mes portraits, ça ne me viendrait pas à l'idée de les faire sur un autre type de papier. Tu vois, je ne change pas de papier selon ce que je fais. Mais ça, c'est ma façon de faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pastellistes qui changent constamment de support. Il y en a même qui les créent eux-mêmes. Tu as ce qu'on appelle des apprêts pour pastel que tu vas pouvoir étaler. C'est un peu comme du gesso, mais c'est spécifique au pastel sec et tu vas étaler ça sur le support de ton choix. Ça peut être sur une toile, ça peut être sur une plaque en MDF, ça peut être même sur du carton. Et tu laisses sécher et après, tu viens mettre tes pastels par-dessus. Et du coup, quand tu mets ton apprêt, bah, si tu veux, tu peux créer des reliefs, tu peux t'amuser avec un pinceau, tu vois, à faire des marques. Et du coup, bah, tu peux créer des textures comme ça pour donner un aspect réellement 3D à tes tableaux. C'est vrai que c'est quelque chose que pour le moment, j'explore pas du tout. Mais je pense que ça doit être très amusant et je pense qu'un jour, j'y viendrai très certainement quand j'aurai un peu plus le temps. De Pascal. En parlant du pastel mat, je ne trouve jamais de pastel mat dans les magasins. Où peut-on se procurer ce papier ? Alors Pascal nous demande où trouver du pastel mat car elle n'en trouve pas en magasin. Tu en as chez le Géant des Beaux-Arts, tu peux le commander en ligne. Oui, j'ai pas lu jusqu'à la fin. En dehors des magasins, enfin en dehors des sites en ligne, je pense. Ah ! Donc en magasin physique. Ah bah là, après je peux pas te dire, ça dépend de ta région. Je sais pas s'il y en a avec, comment ça s'appelle ? À Dalbe, ouais.
Ouais, d'Albizanon. Quand on était à... C'était où cette ville? C'était pas Fécamp, c'était en Normandie, là, tu sais. On en a fait pas mal. Donc. Dieppe. Quand on était à Dieppe, il y avait un petit magasin de beaux-arts que je connaissais absolument pas, enseigne que j'avais jamais vue. Et eux, ils avaient du pastel mat. Ils faisaient les encadrements et ils avaient des blocs de pastel mat. Donc, bah, je dirais que ça dépend. Hein. Faut regarder. Après, des fois, ils peuvent le commander. Mais c'est vrai que moi, je commande tout sur Internet parce que comme ça, je me fais livrer à la maison. Et j'ai tous les coloris que je veux parce que bon, c'est pareil. Après, en magasin, tu dépends aussi de leur stock. D'ailleurs, il va falloir que je passe une petite commande bientôt. Ah ! Pardon. Ils sont magnifiques, ces verts grisés, là. Oh là là, j'adore. Et Aurore qui nous dit, les couleurs sont belles, parfaites pour des beaux dégradés. Oh ouais, c'est clair. Je pensais prendre des Rembrandt, du coup j'hésite avec les unissons. C'est quasiment pas les... Enfin, c'est pas du tout les mêmes gammes, ni les mêmes pastels, en fait. Non, non, pas du tout. Tominou nous lisait la question de qui, Hélène ? Aurore. De Aurore qui nous disait qu'elle hésitait entre Rembrandt et Unisson, et Tominou a raison, c'est pas du tout la même gamme de pastel, donc c'est pas le même prix, quoi. Après, les débutants, c'est vrai que je suis plus modérée. Je me dis, si tu débutes, commence par des pastels pas trop chers, parce que tu sais jamais, hein, des fois, il y a des gens qui se rendent compte qu'en fait, ils aiment pas du tout ça. Donc bon... Oh, j'arrête pas d'écrire BE au lieu de BGE. Alors, question de Anna, je pense. Concernant la précision sur le mélange des couleurs, cela veut-il dire que l'on peut, au pastel, rechercher une couleur à partir de plusieurs autres? Exemple du gris à partir du bleu, rouge et jaune. Ok, donc la question est celle du mélange des couleurs au pastel sec. Et alors, tu vas pas pouvoir mélanger aussi intimement que dans le cas d'une peinture avec un diluant, d'accord ? Si tu prends de l'aquarelle, oui, tu vas pouvoir faire un gris en mélangeant les couleurs complémentaires sans aucun problème. Au pastel, il n'y a pas de diluant, c'est des pigments secs que tu mélanges. Donc, tu vas pouvoir faire varier des nuances. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Ça ne va pas être aussi radical. Ça dépend, en fait, ça dépend. Des fois... Avec les pastels Rembrandt, si tu superposes du jaune et du bleu, tu vas avoir un vert hyper intense. Mais ça dépend. Il faut expérimenter. Et oui, évidemment, ça fera partie d'une leçon de la formation, même de plusieurs leçons. Le mélange des couleurs au pastel. Connais-tu les pastels galeries que vend le géant des beaux-arts ? Alors, les pastels galeries du Géant des Beaux-Arts, je ne les ai jamais essayés, mais si certains d'entre vous les ont essayés, n'hésitez pas à nous donner votre avis à leur sujet. C'est quoi les pastels galeries ? J'ai une autre question. Pastels galeries de Mungyo, M-U-N-G-Y. Ouais, c'est le nom de la marque Mungyo, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un peu comme les Unisson. Je ne peux pas te dire, j'ai jamais essayé. Question d'Aliane, que conseillerais-tu pour des pastels de gamme intermédiaire entre Rembrandt et Unisson? Mais c'est tout le problème. La question est, quelle est la gamme intermédiaire entre Rembrandt et Unisson? C'est ce que je disais, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Rembrandt, c'est fabriqué par des machines, c'est pour ça qu'ils sont durs. Unisson, c'est des pastels tendres, c'est fabriqué à la main. Du moment que c'est fabriqué à la main... Ben forcément, le prix, ça n'a plus rien à voir. Donc, tu n'as pas d'intermédiaire. Soit c'est fait par des machines, soit c'est fait à la main. Donc, voilà, c'est tous les problèmes. Donc, tu as d'un côté des pastels pas chers. Mais en fait, pour moi, l'intermédiaire, c'est Rembrandt. Parce qu'avant Rembrandt, tu en as plein des pastels qui sont beaucoup, beaucoup plus durs, comme les carrés comptés, par exemple. Alors, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, hein, mais ce n'est pas le même...
Je veux dire, c'est pas la même intensité de couleur, c'est pas comparable, quoi. Donc, ouais, moi, je dirais que c'est Rembrandt l'intermédiaire, en fait, entre les pastels durs et les pastels tendres. As-tu des bons plans pour l'achat des unissons ? Aller en Angleterre. Les bons plans pour acheter des unissons sans aller en Angleterre, malheureusement, ce Brexit, il a tout foutu en l'air, là. Avant, c'était génial, on pouvait commander chez Jackson, on avait nos petits pastels qui arrivaient chez nous. En une semaine max, c'était impeccable. Et là, depuis, c'est devenu n'importe quoi. Donc, franchement, je ne sais pas si ça va évoluer. J'espère, mais je pense que même eux, ils ont dû perdre tellement de ventes. Il faut qu'ils travaillent avec des grossistes ou des revendeurs. Hein, mais bon. Bah, mais c'est eux, les gros, c'est eux les revendeurs, hein, Jackson. Non, avec des enseignes. Ah, que Unisson travaille avec des enseignes ? Oui. Mais oui, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est hein. Bon. Les frais de douane. Mais ça me frustre tellement, mais si vous saviez, j'ai vraiment, sincèrement réfléchi à la possibilité de moi les vendre, de contacter Unison et de leur dire, bah, c'est bon, je vais les vendre sur mon site. Mais après, je me suis dit, non, Cindy, tu ne vas pas pouvoir gérer tout en même temps, mais c'est tellement dommage. La logistique, c'est un métier aussi. Hein. Ouais, la logistique, il faut être bien organisé, il faut avoir de quoi stocker, il faut avoir du temps. C'est tout sauf notre cas, donc... Il y a les schminks qui sont pas mal. Ouais, les schminks sont bien, mais ils sont pas moins chers. Hein. Par contre, schminks, eux, ils sont en Allemagne, donc il n'y a pas de souci pour les frais de port. Et je crois que le Jean des Beaux-Arts les référence. C'est une enseigne allemande. Ouais, ben oui, en plus, c'est vrai que le Jean des Beaux-Arts, à la base, ils sont allemands. Je trouve qu'en regard... Alors, je trouve en regardant qu'ils ressemblent aux sénéliers. Les prix sont les mêmes. Non, ils sont très différents des sénéliers en réalité. Les sénéliers sont beaucoup plus... ils s'écrasent beaucoup plus. Et surtout, moi, ce qui me dérange vraiment avec les sénéliers, c'est qu'il y a des couleurs qui ont une texture un peu granuleuse. Et en fait, il y a de telles différences d'un pastel à l'autre que c'est assez décontenancant, je trouve. Et j'observe pas ça chez les unissons. Ils sont très similaires les uns avec les autres. Les pigments foncés sont pas si différents. Il y a quand même des différences parce que ça reste des pigments purs. Mais il n'y a pas un tel écart de texture entre les différentes couleurs. Il y a Sophie qui n'a pas le problème, elle est en Angleterre. Oh, Sophie, tu es en Angleterre, mais toi, tu as trop de la chance. Profite. Au moins pour les produits anglais, oui. Au moins pour les pastels unissons, profite pour nous qui sommes frustrés. En Angleterre, du coup, pour faire venir des produits d'Europe, ça ne va pas être évident non plus. Hein. Là, pour récupérer des produits qu'on aime bien chez nous. Ah mais... oui, c'est vrai que, ouais, du coup, les... Comment ça se passe, hein, ouais. À l'époque, on y était, c'était pas simple. Ouais, c'est vrai. J'ai vu passer quelque chose. Oui, Nadia qui nous parlait de Denis Beaux-Arts qui vend les unissons. Oui, alors méfiez-vous, comparez les prix parce que eux, par contre, ils ont des sacrés prix sur les pastels unissons. C'est les seuls à en vendre en site français. J'ai l'impression qu'ils en profitent pas mal. Donc, moi, quand j'avais regardé, ça valait plus le coup même de prendre pour les assortiments. Hein. Je ne parle pas pour les pastels à l'unité, mais ça valait le coup de payer les frais de port de la mort de Jackson plutôt que de prendre chez Denis Beaux-Arts. C'est pour ça que j'aimerais tellement qu'il soit référencé chez le Jean des Beaux-Arts. Tellement, tellement. Oh là là. Donc là, je suis dans les bleus océans, ces fameux bleus dont je vous parlais au début de ce direct, qui ont été créés pour que Zara Forman puisse peindre ses glaciers. Est-ce que vous avez déjà vu les tableaux de cet artiste ? Ils sont immenses déjà et c'est vraiment de l'hyperréalisme. Ils sont très très saisissants. Est-ce que tu as déjà essayé de fabriquer tes pastels ? Non, je laisse ça aux fabricants de pastels. Est-ce que sera abordée dans la formation la question des différents plans et du choix des nuances de couleurs plus ou moins froides suivant les plans ? On va parler de perspective, oui, bien sûr. Là, c'est plus les teintes en fonction des plans, mais oui, ça fera partie. La perspective atmosphérique, c'est exactement ça.
tu as la perspective qui déforme les lignes et tu as la perspective qui déforme les couleurs. Enfin, qui déforme, entre guillemets, qui modifie les couleurs. Ben voilà. Voilà. Je crois que tu en as déjà parlé, mais je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Que penses-tu des pastels Giro que tu avais testés ? Oui, effectivement, ça a déjà été évoqué au début de ce direct. Tu peux trouver mon test dans ma vidéo YouTube. Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été faites avec les pastels Giro. Donc, si tu tapes Giro dans la barre de recherche de ma chaîne, tu pourras trouver ça. Alors, quel artiste as-tu dit ? J'ai mal entendu. Tu as parlé d'un artiste ? Oui, c'est Zara Forman. Attends, je vais te l'écrire. Voilà. Très, très beau ce qu'elle fait. Ça donne envie de faire des marines, tous ces bleus. Oh là là, je me dis les turquoises là pour faire une mer des Caraïbes. Oui, c'est ça, c'est la personne qui fait des icebergs, oui, tout à fait. Sophie nous dit qu'elle est hypnotisée par B66 et B612. Alors, ça ne va pas jusque-là, les chiffres. alors, attends. Ça doit être BG6. Celui-là, le bleu très, très clair. Ça doit être BG6 et BG12, j'imagine. Ah, c'est ton G ressemble à un 6. Ouais, mon G ressemble à un 6. Ouais. C'est BG. Alors, c'est pas les 7, hein, parce que là... Non, ils sont très bien, mes 7, Tominou. On comprend rien, ouais. Tominou se moque de mes 7. Que conseilles-tu en crayon pastel ? La question a déjà été traitée sur les crayons pastels, mais si elle a été reposée, c'est le Faber-Castell Pitt que je recommande. Je crois qu'elle a été reposée puisque c'était il y a une minute. Ok, donc elle a été reposée. Faber-Castell Pitt, très très bon crayon, pas cher, enfin pas cher. J'irai pas jusque là. Bon rapport qualité-prix, on va dire. Rien n'est pas cher dans le domaine artistique. Comment conserver les nuanciers de pastel ? Corinne, elle passe ses feuilles à la plastifieuse. Et toi, je me mets sous pochette et j'ai voulu faire nuancier sur feuille noire en nuance. Et tu les fais sous verre. Oui. J'ai pas tout compris. Alors attends. Moi, je passe ma feuille à la plastifieuse. Toi, je fixe, tu mets sous pochette. Je crois qu'il y a eu un mélange de mots. J'ai voulu faire le nuancier. Ah ouais, non, il y a eu des mélanges, la Corinne, c'est pas très clair. Mais en tout cas, oui, je mets la feuille sous verre. C'est vrai que sur feuille noire, ça doit être sympa aussi. Sur feuille noire, ça doit être sympa aussi, ouais, tout à fait. Unissons, ils ont l'air d'être crémeux, c'est ça, avec des pâtes, un peu de sauce. Un bâton d'unisson crémeux et... Les bâtonnets unissons sont assez crémeux. Oui, oui, oui. C'est des pastels tendres. Et Sophie confirme donc effectivement, elle a confondu ton 6 et ton G. Et en même temps, je comprends. Tomino est toujours le premier à se moquer de mes chiffres. Bon. Enfin, en l'occurrence, c'était de...
Non, mais je crois que le micro s'était débranché. J'ai l'impression que c'est revenu, mais pourtant là, tu vois, il s'allume. Chez moi, tout va bien. Plus de son depuis que tu as tapoté la feuille. Oh la vache, mais c'était il y a longtemps, hein. Ah, c'est revenu. Ok, bah je touche pas, alors. Ok. Bon, désolé, je pense que le micro s'était débranché. Donc, on était en train d'aborder en plus une question très intéressante qui était, est-ce qu'on peut... On peut superposer par-dessus des pastels très tendres des crayons plus durs comme les Faber-Castell-Pitt. Alors, c'est tout à fait possible, mais ça dépend en fait de votre papier. Si vous utilisez du papier micro-abrasif comme le pastel mat, en général, il n'y a pas de problème pour ça. Après, si vous utilisez du papier à grains, il peut se saturer plus facilement et vous pouvez avoir en effet le problème du crayon qui glisse sans laisser de pigment. Donc, si, en gros, si vous voulez pratiquer le pastel de cette façon en mélangeant les bâtonnets et les crayons, il vaut toujours mieux avoir du pastel, du papier micro-abrasif. Alors, on en était là. Je vois qu'il est 17h30 et je suis toujours là. Alors, il y avait une question que j'ai loupée avec l'histoire du son. Ok. Le papier, connais-tu le papier pour pastel UART? Alors, on me demande si je connais le papier UART et en fait, je connais de nom, mais je n'ai jamais testé. Donc, je ne peux pas vous donner d'avis à ce sujet. Ce premier bleu-là, le bleu dans le coin, en bas à droite, Dark 24, je le trouve mais tellement sublime. Mais j'ai l'impression qu'il ne se voit pas très très bien à l'image. Je vais essayer de le monter pour que vous puissiez voir à quel point il est beau. Alors. Ouais, c'est pas évident. Bah, surtout, il faut que tu aies la lumière. Ouais, ouais, faut que j'aie la lumière, mais... Ah, ça se voit pas très bien. Je suis désolée, parce que vraiment, il est magnifique, mais il est très foncé, donc il apparaît noir, en fait. Ah, tu veux mettre un petit coup de lumière de téléphone? Je peux essayer. Je peux essayer de faire ça. Le téléphone n'a plus de batterie, le pauvre. Décidément. Ouais, ouais. Bon, je crois qu'on n'aura pas mieux, hein. Mais bon, il faut me croire sur parole, il est vraiment très 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 beau. Ok. Alors, Dark 21. C'est un problème si un tableau pastel est accroché au mur et qui reçoit la lumière du soleil. Alors, on me demande si le pastel est sensible au soleil. Alors, c'est toujours déconseillé, quelle que soit la technique. Le soleil va toujours potentiellement altérer le rendu des couleurs. Donc, le mieux, c'est d'éviter, quelle que soit la technique. Après, le pastel en soi, c'est une des techniques les plus permanentes qui soit. Du fait que c'est une technique sèche. En fait, ce qui rend les pigments vulnérables, c'est le fait de les diluer. Donc, toutes les peintures à laquelle on va rajouter de l'eau ou des solvants, ce sont les peintures qui risquent le plus de s'altérer en vieillissant. Et là, il va falloir faire très attention au choix des pigments employés. Dans le cas des pastels secs, on a un petit peu plus de liberté. Là, il y a des aubergines très, très sombres qui sont superbes aussi. Ce coffret-là, il est vraiment magnifique.
Ok, on attaque les bleus chauds, blue violet, pour le dernier quart. Alors, Nadia qui nous dit que, qui nous demande si ton information, tu pourras apprendre à faire une vague qui s'écrase sur la plage. Parce qu'elle a eu ton bonus, mais non commenté, et donc moins simple. J'ai pas encore tous les sujets de la formation. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis au module 1. Est-ce que ces pastels s'effacent facilement avec une gomme mie de pain ? Non. Non, ils sont trop épais pour s'effacer avec une gomme mie de pain. Tu vas pouvoir retirer des pigments, mais tu n'auras jamais le blanc du papier. Mais... En fait, ça vient aussi du fait que mon papier est abrasif. Mais là, c'est le papier qui fait que le pastel accroche tellement que quel que soit le pastel que tu utilises sur ce papier-là, tu auras toujours des traces. Dominique qui nous dit « Je flash sur le Dark 24 », là où tu as flashé toi aussi. Ouais, il est magnifique ce Dark 24. BG 15 à 18. BG 15 à 18, ouais, ceux-là, les verts, ils sont très gris. Également appelés les B615 à B618. Ouais, t'as raison. Alors, une question de Véronique, quel est le prix de cette boîte ? Après, ça dépend, parce que c'est un ensemble d'assortiments, là, en plus. Ouais, pour Véronique qui nous demande le prix de cette boîte, en fait, elle n'est pas à la vente séparément. Elle fait partie de l'assortiment complet des pastels Unisson. Et donc, en fait, tous les 15 jours, je fais un direct sur un des coffrets qui compose l'assortiment complet. Mais ce coffret-là, je ne pense pas que tu puisses te le procurer. Après, c'est ce que je disais aussi un petit peu plus tôt, tu vas pouvoir trouver des coffrets sur des thèmes chez Unisson et sur des thèmes de couleurs. Donc, j'imagine qu'ils ont des coffrets de bleu, si ça t'intéresse. Il faut que tu regardes sur le site d'Unisson. Je ne sais pas si on ne peut pas commander, d'ailleurs. Je suis en train de penser sur le site d'Unisson. Donc, à voir. Les coffrets ? Ouais. Je ne sais pas s'ils n'ont pas une boutique en ligne, maintenant que j'y pense. Mais les prix sont en livres. Après, à voir si tu payes avec PayPal. Peut-être que ça fait la conversion. Mais là, je ne sais pas. Ouais. Il y a une boutique qui s'est même écrit en français, dis donc. Incroyable. Mais non. Si. Sérieux ? Edison Color. 7 classiques, 7 de couleurs, 7 d'artistes. C'est ensemble d'ateliers. Il y a ensemble complet, il y a plein de trucs en fait. Tu peux tout acheter sur leur site. Mais à quel prix ? C'est affiché en livres. Ouais. En livres sterling. Mais oui, c'est possible. Après, il faut voir sur les frais de douane, les frais de port. Hein, parce que ouais. Ça peut faire mal. Bah ouais, c'est clair. Oh, ce bleu, il m'a sauté au visage. ils ont vraiment tout un ensemble de 7. C'est bien foutu. Ouais, c'est bien. Bien organisé tout ça. Là, on arrive dans les bleus ciel. Hein. Très, très beau. BV10, le bleu ciel d'un beau temps. Comme on n'a pas du tout en ce moment. J'aimerais bien que mon ciel soit couleur BV10 et BV9 aujourd'hui. Ils sont hyper lumineux. Ah, il y avait un poil de chat dans mes pastels.
Dernière ligne. Donc là, on est toujours dans les bleus chauds. Ouais, ouais, mais ces bleus foncés là, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ça pourrait faire des, c'est vrai que des fonds sous-marins là. Ouais, des fonds sous-marins ou même des marines. Je vais faire une petite piqûre de rappel sur la formation. Oui, c'est vrai, j'ai pas du tout mentionné ça, mais pour les personnes qui sont intéressés par cette formation sur les bases du pastel que je vous prépare, vous pouvez vous inscrire pour rester informé de l'avancée de la formation et puis pour du coup être tenu au courant quand elle sortira. Tominou vient de vous mettre le lien dans le chat en direct. Dominique nous dit BV11 et BV8 lui plaisent beaucoup. BV11, c'est celui-ci, et BV8, c'est celui-ci. Ouais, franchement, non, il y a des couleurs quand même qui sont assez folles. Quelle est la couleur du papier sur lequel est fait le nuancier ? Alors, le papier sur lequel je fais mon nuancier est un pastel mat gris clair. Il est gris clair. Ouais, il n'est pas tout à fait blanc. Il est gris très très clair, comme ça, mes couleurs claires, elles se voient quand même dessus. Je vais vous montrer tout à l'heure. Je termine juste. Hop. Ah non, c'était... Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée. Non, mais j'étais si près du but. J'étais toute fière de ne pas m'être trompée. Oh, flûte. Bon, alors, je reprends comme la dernière fois mon petit pinceau. Dans un premier temps, pour décoller les pigments. Vous voyez là toute la poudre que ça me fait. Je décolle tout ce que je peux. Tu n'auras pas réussi. Non, la dernière fois, oui. La dernière fois, j'ai réussi à pas me tromper pendant tout un direct. C'était l'exception qui confirme la règle. C'était l'exception qui confirmait la règle, tout à fait. Voilà. Ça en enlève quand même pas mal, hein. Mais vous voyez, bon, il reste une grosse trace bleue. Mais en fait, le but, c'est qu'elle soit tellement fine que quand je vais mettre l'autre couleur par-dessus, vu que ce sont des pastels très couvrants, eh bien, c'est l'autre couleur qui va prendre le pas. Là, je mets un petit coup de gomme mie-de-pain. Vous voyez, elle en a récupéré pas mal. J'ai laissé mon autofocus là. Ça n'a pas l'air de trop sauter, hein, la mise au point. Tu regardes un peu l'écran ou pas? Bah, oui, tout le temps. Et ça se floute pas, hein? Bah, attends, je me mets en full screen, c'est pareil, c'est pas toujours évident. Non, ça saute pas, ça bouge pas. C'est bien, ça. Parce que je pense que t'es vraiment sur un coin, en fait. Tu seras en plein milieu. Ah ouais, t'as raison. Mais bon. Voilà. Je vais rester en manuel. Tac. Pour débuter, quel numéro de bloc pastel mat choisir pour des fleurs et des animaux? Alors, on me demande quel numéro de bloc pastel mat choisir pour des fleurs et des animaux. Alors, sache que tu peux acheter les feuilles. Tu peux acheter les feuilles de pastel mat à l'unité. Si tu veux avoir une seule couleur bien spécifique, c'est vrai que moi, ce que je reproche au bloc, c'est qu'ils ont presque tous des feuilles blanches ou gris clair. Et moi, ces deux couleurs-là, je ne les aime pas du tout. Donc, le bloc que je peux recommander, c'est le... Je ne sais pas à quel numéro ça correspond, mais c'est celui qui a les feuilles bleues. Tu as un bleu foncé, un bleu clair, un lit de vin et un sable. Au moins là, tu évites le blanc et le gris clair qui posent en général problème. Enfin, moi, en tout cas, ça me pose problème. Et ces quatre coloris qui sont très très bien, je trouve, que ce soit
si tu veux juste faire un sujet et avoir le fond derrière, ou si tu veux tout recouvrir, c'est très bien. Moi, c'est mon préféré. Et le tout dernier, le BV13. Tac. Et voilà, on a terminé notre petit nuancier. Alors, ce n'était pas BV13. Si, c'était BV13. Ah oui, c'est dans mes références que je me suis plantée, en fait. C'était le 15. Ça, c'était donc le 14. Et ça, c'était le 13. Et je vais pouvoir vous montrer, du coup, comme les couleurs claires ressortent sur le gris. Vous voyez comme on les voit bien, là, celles qui se trouvent aux extrémités. Elle se détache en fait parce que le papier n'est pas blanc. Donc le simple fait qu'il y ait ce léger petit gris, eh ben, du coup ça me permet, je trouve, de profiter de vraiment toutes les teintes. Voilà. Ok, on a fini ce nuancier. Est-ce qu'on a terminé les questions? Alors, Vanessa nous dit « Les couleurs sont fantastiques dans cet assortiment complet ». Du moins, les nuanciers que tu as réalisés jusqu'à présent. Ouais, bah tu sais, je crois que pour les autres, ça va être pareil. Il en reste encore deux, des nuanciers de ce format-là. À tes souhaits, Dominou. Et il nous restera aussi un tout petit de, je ne sais plus combien, 18 pastels, je crois. Il pleut. Du coup, on aura encore au moins deux autres directs à venir. Alors, Odile nous demande si les... À tes souhaits, Minou, si les fabricants de pastels donnent les pigments. Alors, pas Unisson. Unisson ne les donne pas, mais Rembrandt les donne. Sennelier les donne aussi. Giraud ne les donne pas. Donc, voilà. Vraiment, ça dépend. Ah, merci Manu qui nous précise que le bloc bleu pastel mat, c'est le numéro 4. Ok, eh ben merci beaucoup à tous pour vos participations. Merci pour toutes vos questions, c'était super intéressant. J'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, nous, on a passé un super moment. Et du coup, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo YouTube et le jeudi d'après pour un nouveau direct nuancier. Je laisse Tominou vous dire au revoir. J'entends qu'il est en train de taper un petit message. Ah, oh, Tominou met du temps parce qu'il cherche un petit émoticône tout mimi. Il a du mal à trouver. Bon, Tominou, c'est pas grave si tu n'as pas le petit émoticône. Merci à tous d'être passés. On vous souhaite une très très belle fin de journée. Ah, ça y est, Tominou a posté son au revoir, donc on va pouvoir couper les directs maintenant. Et bien, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Salut, salut!